Rendement à Canary Limité. Merci. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Un article de la Constitution du Parti libéral dit que, en tant que chef du parti, vous devez communiquer certains renseignements. Merci. Merci. Il faut que je puisse entendre les questions. Donc, votre constitution dit que, en tant que chef de votre parti, vous devez communiquer vos décisions dès que possible au moment de mettre en candidature un candidat. Vous dites que vous aviez pris votre décision en novembre et que vous aviez prévenu M. Olivier de votre décision en décembre, mais vous n'avez dit cela à votre parti qu'en janvier. Pourquoi est-ce que vous avez violé votre propre constitution? Merci. Monsieur le Président, encore une fois, pour être clair, j'ai parlé de ma décision à de nombreuses reprises et tout le monde savait que Glenn Thibault allait être notre candidat à Sudbury et nous sommes très heureux de l'avoir choisi. Et j'ai écrit au commissaire aux nominations et aux autorités responsables. Je ne veux plus entendre d'interjections, s'il vous plaît, de la part du député de Timmins James Bay. Et voilà, c'est à ce moment-là que les choses ont été rendues officielles et tout le monde savait très bien que Glenn Thibault allait être notre candidat. Merci. Complémentaire à la Première ministre. Alors, vous avez dit que vous aviez pris cette décision à la fin du mois de novembre après avoir rencontré Glenn Thibault. Mais Andrew Olivier a dit à la police provinciale de l'Ontario que cette conversation qu'il avait eue avec vous en décembre était la même qu'il avait eue avec Jerry Lougheed Jr. le même jour. Et au cours de cette conversation, on lui a proposé un poste en échange du retrait de sa candidature pour que Glenn Thibault puisse être mis en candidature à sa place. Alors, si vous avez pris votre décision en novembre, pourquoi est-ce que vous n'avez dit que le 11 décembre à M. Olivier qu'il ne serait pas porté candidat? Réponse. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que lorsque j'ai rencontré Glenn Thibault, il était encore en train d'essayer de décider de son avenir. Donc, à la fin du mois de novembre, j'ai décidé que ce serait lui le meilleur candidat pour notre parti à Sudbury. Et voilà la décision que j'ai prise à l'époque. Les formalités administratives ont été terminées en janvier, mais on savait d'ores et déjà depuis longtemps que Glenn Thibault serait notre candidat à Sudbury. Merci. Complémentaire final. Alors, il y a des conversations qui ont été enregistrées entre Patrick Burr, Jerry Lougheed Jr. et Andrew Olivier, et ces conversations contredisent vos déclarations. Il a été dit le 11 décembre à Andrew Olivier qu'il ne serait pas le candidat choisi par les libéraux. Madame la Première ministre, on vous a demandé à répétition d'étayer votre version des faits et votre lettre du 7 janvier, malheureusement, n'étaye pas du tout vos propos. Arrêtez de dénigrer le poste que vous occupez et dites aux Ontariens une fois pour toutes si vous avez demandé à Mme Sauber et à M. Lougheed d'avoir cette conversation avec M. Olivier. Réponse, encore une fois, je prends les choses très au sérieux. Le député sait très bien qu'il y a une enquête en cours. C'est une enquête qui a lieu en dehors de cette chambre. C'est un processus indépendant. Et je suis tout à fait d'accord avec le chef du parti d'en face qui a dit le 27 février, je le cite, « Arrêtez de vous ingérer dans une enquête en cours et laissez-la suivre son cours. » Je suis tout à fait d'accord. Et le fait est qu'il y a une enquête qui suit son cours actuellement, donc je vais la laisser suivre son cours, comme je le disais. Mais il faut qu'elle ait lieu en dehors de cette chambre et indépendamment de cette chambre. Merci. Complémentaire final. Alors, il y a un juge en chef, Douglas Cunningham, de la Cour supérieure de l'Ontario, qui a dit que les nominations ne devaient pas
être faites en fonction des faveurs accordées à certains députés. Il fallait que ce soit un processus indépendant et neutre. Et ce n'est pas un processus juste, ouvert ou transparent qui a été suivi lors de la nomination de votre candidat, M. Sudbury. Est-ce que vous avez demandé, encore une fois, Mme Sudbury, à M. Lougheed de demander à M. Olivier de retirer sa candidature? Réponse. Encore une fois, j'aimerais répondre à la question en rappelant au chef par intérim de l'opposition qu'il y a une enquête qui est en cours actuellement et que Élections Canada a déterminé que les allégations me concernant ainsi que M. Lougheed étaient sans fondement. Et le directeur général des élections a dit très clairement qu'il ne pouvait pas intenter de poursuite ni déterminer l'innocence ou la culpabilité de qui que ce soit. Nous allons laisser l'enquête suivre son cours en dehors de cette chambre. Merci. Complémentaire. Le juge Cunningham a également dit qu'il y avait des dispositions dans le code criminel qui, justement, visaient à empêcher la corruption qui pouvait nuire ou paraître nuire à l'intégrité du gouvernement. Donc, malheureusement, vos normes en matière d'intégrité sont plutôt basses. Deux tiers des Ontariens veulent que vous démissionniez, ou plutôt que votre chef de cabinet adjointe démissionne. Est-ce que vous allez enfin rétablir la confiance des Ontariens et faire ce qui s'impose? Réponse. Il y a deux semaines déjà, j'ai dit qu'il y avait des mesures très claires qui devaient être prises avant de porter des accusations contre qui que ce soit et que si c'était le cas, eh bien sûr, je demanderais à Mme Sorber de se retirer. Mais il y a une enquête qui a lieu actuellement. Il faut laisser cette enquête suivre son cours. Et cette enquête aura lieu en dehors de cette chambre. Complémentaire. Jerry Lougheed Jr. a dit lui-même que peut-être ce n'était pas la bonne solution pour Sudbury. Donc, vous avez pris vous-même la décision de choisir un candidat dans votre bureau à l'insu de tous et vous n'avez informé M. Olivier que bien plus tard pour qu'il ne puisse pas s'opposer à votre décision. Vous avez entaché la réputation de la fonction que vous occupez, Madame la Première ministre. Et s'il vous plaît, engagez-vous à démissionner en tant que Première ministre si M. Lougheed et Mme Sorber sont déclarés coupables d'une infraction au code criminel. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Madame la Première ministre, j'ai dit très clairement que j'allais coopérer avec les autorités et que cette enquête allait avoir lieu en dehors de cette chambre et que nous allions la laisser suivre son cours et que j'allais continuer donc à coopérer avec les autorités. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. À quelle date est-ce que la première ministre a informé le commissaire en charge des nominations qu'elle avait choisi Glenn Thibault? Alors, comme le sait la députée d'en face, j'ai été très claire concernant ma décision de choisir M. Glenn Thibault comme candidat à Sudbury. Et j'ai pris cette décision en novembre. Je sais que la députée d'en face sait également très bien que j'ai écrit aux autorités compétentes dès que j'ai pris ma décision. Et tout le monde savait très bien dans mon parti que Glenn allait être notre candidat. Merci. Complémentaire. Le 7 janvier, c'est la date à laquelle cette lettre a été envoyée, presque un mois après que Mme Sorbara et M. Lougheed aient été enregistrés lors de conversations au cours desquelles ils avaient offert un poste à M. Olivier en échange du retrait de sa candidature. Et c'est plus d'un mois après que M. Olivier ait été informé de cette décision de la part de la Première ministre. Donc j'aimerais demander à la Première ministre si elle s'est encore entretenue avec son âme. Peut-être qu'elle devrait avouer les choses aux Ontariens. C'est peut-être ce que son âme lui a dit. Réponse. Vous savez, Monsieur le Président,
Lorsque je vous dis que tout le monde savait que Glenn allait être notre candidat, c'est tout à fait vrai. Ça a été rendu public largement dans les journaux, etc. Donc je pense vraiment que la députée d'en face peut vérifier le compte-rendu et les journaux de cette époque. Et c'est vrai, les formalités administratives ont été conclues en janvier, mais tout le monde savait très bien, bien avant cela, que Glenn Thibault allait être notre candidat. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, la Première ministre insiste pour dire qu'elle a pris la décision de nominer Glenn Thibault bien avant que l'on ait fait miroiter à Monsieur Olivier ses offres d'emploi en échange du retrait de sa candidature. Mais ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que, en fait, elle n'a nominé Monsieur Thibault qu'après que ses tentatives aient échoué. C'est la question à laquelle elle n'a pas répondu. Qui a donné à Mme Sauber et à M. Lougheed l'ordre de demander à M. Olivier de retirer sa candidature en faveur de Glenn Thibault? Monsieur le Président, une fois de plus, il y a une enquête en cours à l'extérieur de l'enceinte. Il faut que cette enquête soit indépendante et que cette enquête suive son cours. Le député de Timmins Bay, James, oui, devez vous assurer d'utiliser les bons mots pour ne pas paraître, par contre, prétendre intervenir dans le processus électoral. Elle comprend que c'est important que nous tous laissons l'enquête se dérouler à l'extérieur de l'enceinte. J'avais pris une décision en novembre. À l'effet, voulant que M. Thibault soit le meilleur candidat pour Sudbury. Veuillez vous asseoir. Député de Renfrew, Nipissing, vous m'avez entendu, rappel à l'ordre. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse également à la première ministre. Il y a des faits que Andrew Olivier s'est fait offrir plusieurs emplois pour se désister. Il y a des faits que Pat Sorbara et Jerry Lougheed ont reçu lors de la première ministre. Il y a des faits également que la première ministre a eu des conversations avec les candidats après qu'Andrew Olivier ait refusé de se désister et elle prétend que tous ces faits sont inexacts. Avez-vous des faits pour étayer votre version à vous? Une fois de plus, je conteste les prémices de la chef du troisième parti. J'avais pris une décision en novembre. J'avais rencontré Glenn Thibault, qui serait le meilleur candidat pour le gouvernement Sudbury. La population de Sudbury a voté pour Glenn Thibault. Nous avons un nouveau député dans cette chambre parce qu'il était le meilleur candidat pour Sudbury. Cette décision avait été prise. Je sais que c'est difficile à avaler pour le troisième parti, mais la réalité est que la population de Sudbury a pris la meilleure décision. C'est pour ça qu'il siège avec nous à la chambre. Tout Ontarien avec un ordinateur, un téléphone intelligent peut entendre les discussions avec M. Lougheed et Mme Sorbara. Ils ont agi à la demande de la première ministre. Et l'Élection Ontario a dit qu'il y avait des faits que des conseillers principaux de la première ministre, c'est public. Et les Ontariens peuvent lire la lettre de la première ministre après avoir appris que M. Olivier n'allait pas se désister. Avec tous ces faits, il n'y a aucun frais pour étayer la version de la première ministre. Il n'y a rien du tout. Monsieur le Président, la première ministre peut nous donner pour témoigner de ses faits, elle, ou de sa version. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, tout le monde le savait avant même que tous les écrits soient rendus publics. Ça fait partie du domaine public. Il y a une enquête en cours à l'extérieur de l'enceinte. Il faut laisser l'enquête se dérouler.
complémentaire final. Donc, il semble que je sens plus à l'aise à répondre aux questions de la police que celles des députés. Nous méritons d'être mieux. Arrêtez la pendule. Je ne vous laisse pas intervenir. C'est moi qui parle maintenant, député de Timmins Bay James. Il mérite de savoir que les politiques respectent les règles et il mérite de savoir la version et qu'elles disent la vérité. Sans même avoir reçu un arrêt ou une demande de comparution, quels faits avez-vous pour appuyer votre version à vous, Monsieur le Président? Je suis d'accord avec la chef du troisième parti. Oui, la population mérite de savoir que nous allons répondre aux questions. Oui, je vais collaborer avec les autorités. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai fait une déclaration, c'est clair, lorsque j'ai pris la décision et que la décision était que Glenn Thibault serait le meilleur candidat, que j'allais travailler avec les autorités et pour répondre à leurs besoins ou à leurs questions. Je vais le faire en dehors de la Chambre parce que c'est là où l'enquête, parce que c'est là où il y a les autorités, à l'extérieur de la Chambre. Nouvelle question. Député de Lanark, Frontenac, Lennox, Addington. Question s'adresse à la première ministre. Je ne peux pas le congédier à cause des accusations. Ils doivent avoir leur jour, avoir la chance de prouver leur innocence. Première ministre, est-ce que vous connaissez cette citation et vous savez à quoi cela renvoie, Première ministre? Est-ce que c'est Jeopardy? Vous savez quoi? Je suis sûr que le député d'en face va me dire d'où ça vient. Pendant ce temps, je vais lui dire. J'ai été clair, je vais collaborer avec les autorités. Il y a une enquête à l'extérieur de la Chambre et j'ai fait une déclaration il y a 2 semaines et ma position est claire et je l'ai renouvelée à plusieurs reprises. Nouvelle question? Pardon, complémentaire. Première ministre, vous ne savez pas à qui vous avez dit ça, mais moi, j'étais surpris que ce n'était pas vous et ce n'était même pas la personne avant vous. Mais je suis sûr qu'il aurait dit quelque chose de semblable à plusieurs. Et c'était le monsieur Nixon. Et que lors d'une entrevue à la télé avec David Frost, rappel à l'ordre, arrête la pendule. Dernière fois, rappel à l'ordre. Le député, il joue avec le feu. Je n'ai pas besoin d'autres interjections. Veuillez poursuivre, Monsieur le Président. De retour à la Première ministre. C'était l'entretien à la télé entre Frost et Nixon. Et on pense que maintenant, c'est la même chose qui se produit. Est-ce que vous savez comment cette histoire, est-ce que c'est votre intention de dénigrer la Chambre de la même façon que le président Nixon a dénigré sa carrière et sa charge publique? Leader parlementaire du gouvernement, merci, Monsieur le Président. Je demande aux députés s'ils reconnaissent. Je n'ai pas aucun commentaire parce que c'est devant les tribunaux. Qu'est-ce qui a dit ça? Hier, le député de PC Ottawa a fait cette déclaration. Lorsqu'on pense à la Cour, laissez les autorités indépendantes mener leurs enquêtes. Arrêtez d'intervenir dans l'enquête et laissez l'enquête. Qui a dit ça? C'était le chef, le leader parlementaire du Parti conservateur. Oui, nous avons un système en place qui fait des enquêtes et de manière indépendante
par des prosecuteurs, par des procureurs qui suivent le processus judiciaire de façon indépendante. Parce que nous, c'est le meilleur système que nous avons et non pas en chambre. Nouvelle question. Député de Timmins Bay James, ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre doit dire aux Ontariens pourquoi elle insiste de nommer un candidat secondaire et finalement à demander à ses aides de parler à M. Olivier pour qu'il se décide. Il n'y a pas eu de discussion ou la nomination. Le président de l'association n'avait rien dit concernant la nomination. Jerry Laurie, la première ministre, ne voulait pas nommer. Et Pat Sabara a été clair qu'il n'y avait eu aucune décision prise. Et une lettre de la première ministre qu'il n'y avait aucune décision concernant la nomination avant janvier le 13. Pourquoi insiste-t-elle lorsqu'elle n'a aucun fait? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, une fois de plus. La première ministre a répondu à plusieurs reprises, mais je vais donner aux députés d'en face comment notre système fonctionne en matière de ces enjeux. Toute infraction potentielle à la loi sur les élections en Ontario, le directeur des élections de demander des enquêtes lorsqu'il ne fait aucune enquête et que s'il y a une contravention apparente, il renvoie la cause ou les faits au procureur de la Couronne pour décider, pour qu'il décide si des mesures doivent être prises ou des poursuites entamées. Et tout cela se fait à partir de faits, à savoir si des accusations seront déposées. Et la Cour décide si la personne est coupable ou non. C'est un processus que nous avons, un processus indépendant que nous respectons, complémentaire. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce Parlement n'a pas besoin de leçons comment enfreindre la loi. Et vous n'avez pas un bon bilan. Une fois de plus, Andrew Olivier, Bill, Pat Sabara, Jerry Lougheed, la lettre de la première ministre démontre qu'aucune décision avait été prise sur la nomination par la première ministre du candidat. Les faits sont là et que la décision n'avait pas été prise avant janvier. Pourquoi elle insiste que la décision avait été prise de sa part en avant ministre? Je crois qu'on n'a pas besoin de leçons des néo-démocrates pour avoir des politiques progressives qui ont un impact sur la vie. Parce que c'est le troisième parti qui a voté contre l'augmentation du salaire minimum, des prestations aux enfants pour d'indexer le salaire minimum, l'indice des prix à l'information, qui a refusé certains crédits utiles pour les Ontariens. Et c'est nous, notre gouvernement, Catherine Wynne, avons déposé des mesures progressives. Nous allons continuer à le faire et pour s'assurer que nous faisons cela pour tous les honnêtes travailleurs de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le député va retirer ses commentaires. Je les retire. Député de Scarborough, Agincourt, ma question s'adresse au ministre du Travail. Les premiers intervenants, les professionnels de la santé, les travailleurs en commun, les gardiens de prison et les infirmiers, et les gens, nous devons faire davantage pour s'attaquer au stress. Nous avons rencontré les infirmières de ma circonscription d'avoir pour qu'ils me donnent certaines informations sur les problèmes auxquels doivent faire face les premiers intervenants. Au cours de la dernière année, à l'échelle du Canada, les premiers intervenants et autres ont demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s'attaquer à ces préoccupations constantes, comme le TSPT. Nous avons entendu des incidents chez les pompiers ou chez les policiers qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas reçu l'aide nécessaire. Il faut prévenir cette tendance par vous et au ministre. Qu'est-ce que la
province fait pour s'assurer que les employeurs accordent un soutien pour les personnes qui souffrent de TSPT? Merci pour cette question opportune et importante. Nous savons tous dans cette chambre, nous avons un ami, un membre de la famille qui fait face à un TSPT. Et, Monsieur le Président, je suis d'accord pour faire davantage en tant que législateur pour s'assurer que ces employés reçoivent le soutien pour faire face à un stress mental. Il y a des faits, de plus en plus de faits, que nous pouvons prévenir ce genre de TSPT. Pour nous, c'est un problème sérieux. Nous avons une table ronde avec des experts sur le stress mental. Nous allons proposer des mesures. Demain, nous allons avoir un sommet sur ces problèmes à Toronto et nous allons en parler davantage. Nous avons les meilleurs cerveaux et les meilleurs experts à Toronto et j'espère que tous les députés vont venir y assister. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il semble que notre gouvernement se positionne très bien face à cet enjeu et qui pour également que les employeurs ont également des ressources pour s'attaquer à ce problème. Parce qu'on perd 42 milliards de productivité et c'est la seconde cause d'invalidité au Canada. Des nouveaux Canadiens et les nouveaux arrivants font face à des obstacles culturels et économiques au travail. Il faut leur trouver un traitement. Dans ma circonscription, il y a des agences spécialisées qui dispensent ces ressources. Et il y a discussion demain au cours du sommet sur le stress mental pour mieux servir ou desservir mes commettants et les Ontariens. Par vous et au ministre, vous avez mentionné le sommet de demain. Voulez-vous qui pas participer au sommet? À quoi ressemblera le sommet? Monsieur le Président, merci pour la question. Le gouvernement rassemble des employés, des travailleurs, des instructeurs et des experts, des leaders dans un grand nombre de secteurs au sommet demain à Toronto. Plus de 140 personnes représentantes vont partager leurs dernières données, les adaptations culturelles, d'autres expériences de d'autres entreprises pour encourager et faire la promotion de la sécurité des employés. Il y aura également une personne et Romeo Dallaire, une personne distinguée du Canada, fera le discours et le but de demain, ce n'est pas de commencer une conversation sur le stress mental parce que cela a commencé. C'est maintenant de passer à un niveau supérieur. J'ai hâte de faire partir. J'espère que je vois certains des députés demain à ce sommet à Toronto. Député de Alderman Norfolk, ma question s'adresse à la première ministre concernant l'élection partielle de Sudbury. Le directeur des élections a été clair qu'il croit qu'il y avait une contravention apparente aux dispositions de la loi sur les élections. Votre chef adjointe du bureau a offert un pot de vin et M. Lahid a offert également. C'est illégal d'offrir des emplois aux autres postes en échange de quelque chose. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas retiré Jerry Lahid Jr. et Pat Barra? Je voudrais rappeler aux députés, peut-être qu'il n'a pas lu ce que le directeur général des élections, et je cite, « Je ne veux pas intenter des poursuites, je ne veux pas déterminer de l'innocence ou de la culpabilité des personnes, cela revient aux autorités. Je prends les choses très au sérieux. » Rappel à l'ordre, veuillez poursuivre. Comme le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, il y a un processus en cours, mais c'est un processus qui a lieu à l'extérieur de l'enceinte. C'est là où l'enquête a lieu. C'est exactement là où cela devrait se faire. De retour à la première ministre. Nous sommes en Ontario. Nous croyons
à la suprématie du droit et que personne n'est au-delà des cours. Et la règle de droit est déterminée à partir de principes sur lesquels nous sommes tous d'accord. Le règne du droit n'est pas arbitraire, ne subit pas l'impact d'influences financières. Est-ce que vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi? Si vous enfreignez la loi, vous payez le prix. Il y a 4 enquêtes sur des possibilités d'action criminelle. Au nom de tous ceux qui sont préoccupés, voulez-vous démissionner? Ministre des Affaires correctionnelles et de la Sécurité communautaire, j'apprécie qu'il a parlé du règne de droit. Autres députés vont reconnaître qu'il y a un système démocratique. Qu'est-ce que le règne de la loi? C'est une distinction entre l'exécutif et le judiciaire. Et la même logique renvoie, il est interdit que nous ne devons pas intervenir dans le processus judiciaire. C'est exactement le principe du règne de droit. Il y a une enquête en cours et la chose à faire, c'est de respecter ces enquêtes en cours et ne pas commenter en cette chambre. Je demande à tous les députés d'en face, attaquons-nous aux enjeux qui sont importants pour les Ontariens, comme les infrastructures. Nouvelle question, député de Nickelbelt. Non, ma question pour la première ministre. Senior liberals... Les hauts fonctionnaires libéraux ont fait des offres à M. Olivier et elle a dit que c'était correct parce qu'elle avait déjà décidé, elle avait déjà pris la décision par rapport à son candidat, mais les preuves démontrent quelque chose de différent, que les libéraux voulaient que M. Olivier se retire pour qu'il y aura leur candidat. Et la lettre à l'Association de circonscription de Sudbury démontre qu'il n'y avait aucune décision prise avant d'essayer de retirer M. Olivier. Est-ce que la première ministre dira aux Ontariennes c'était quand qu'elle a décidé de nommer son candidat choisi? Merci, Monsieur le Président. Je sais que il y a des députés du troisième parti qui comprennent que moi, j'ai l'autorité, la capacité, en tant que chef du Parti libéral, de nommer des candidats. Et moi, j'ai pris une décision après d'avoir rencontré M. Thibault. Avertissement, leader du parlementaire du gouvernement adjoint. Donc, j'ai décidé que M. Thibault était le meilleur candidat. J'ai pris les décisions après l'avoir rencontré à la fin de novembre. Il y a une enquête en cours qui se passe hors de la Chambre. Complémentaire. Monsieur le Président, les déclarations de la Première ministre ne sont pas logiques. Elle essaie d'expliquer qu'elle avait déjà décidé de nommer son candidat en novembre. Mais elle avait dit à personne, elle n'avait pas dit à son directeur de campagne, elle n'avait pas dit à son candidat, des anciens candidats, le président de l'association des circonscriptions ou le Parti libéral. Est-ce que la première ministre va nous dire la date sur laquelle elle a décidé de ne pas avoir ce rencontre et de nommer son candidat? Parce qu'actuellement, ça lui paraît que c'était en janvier. Permettez-moi de dire, la députée d'en face habite très près de là où tout cela se produit. Alors, si elle examine les journaux, elle saurait que ça a été rendu public, que M. Thibault serait un autre candidat. Donc, je suggérais que c'était le contraire. Ce n'est pas précis. J'avais pris cette décision de nommer M. Thibault, qui sera le meilleur candidat à Sudbury. Il y a une enquête en cours qui se passe à l'extérieur de la Chambre, et je vais continuer de collaborer avec les autorités. Merci. Nouvelle question, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. J'ai eu le plaisir de défendre ma collectivité au niveau fédéral
Et j'ai la possibilité de le faire au niveau provincial, de faire du porte-à-porte durant la partielle, mais comme en temps identifié l'élargissement de Melee Drive en tant que projet d'infrastructure important. Je suis fier de dire que j'ai fait partie d'un gouvernement qui a compris ce projet dans le budget, mais aussi comme partie du plan de chantier Canada. Est-ce que le ministre du Développement économique, de l'infrastructure et de l'emploi pourrait mettre à jour la Chambre par rapport à l'importance de ce projet d'infrastructure de Sudbury? Le ministre. Merci. Ça me fait plaisir de voir une députée de la région de Sudbury qui pose des questions qui sont importantes pour les gens de Sudbury, qui sont importantes pour les gens de l'Ontario. Je remercie le député de sa question. Donc, je peux confirmer que ce gouvernement s'engage à s'occuper de ce projet de Melee Drive. Nous savons que c'est un projet important pour les gens de Sudbury. Ça va réduire l'embouteillage. Dans notre budget de 2014, nous avons alloué une montant de 26 millions de dollars. Nous avons mis de l'accent sur ce projet dans notre budget récent. Les néo-démocrates ont eu l'occasion d'appuyer ce projet, mais ils l'ont rejeté. Ils avaient une autre occasion, mais ils l'ont rejeté à nouveau. Nous avons hâte d'avoir l'approbation du gouvernement fédéral. Complémentaire, j'aimerais remercier le ministre. Je suis optimiste que le gouvernement fédéral va nous rejoindre à la table, mais lorsque j'étais député fédéral, les conservateurs ne font pas suffisamment d'investissement dans l'infrastructure à l'échelle du pays. Heureusement, ce gouvernement et cette première ministre prioritisent des projets d'infrastructure. Notre premier ministre veut un nouveau partenariat d'infrastructure, une collaboration qui a établi un cible d'investir 5 % du PIB dans le renouvellement de l'infrastructure. Est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre par rapport à cette différence entre les dépenses d'infrastructure au niveau fédéral et au niveau provincial? Merci, Monsieur le Président. Le député a raison. Le gouvernement fédéral n'investit pas suffisamment dans l'infrastructure. Depuis 2003, ce gouvernement investit presque 100 milliards de dollars. Et nous investissons 130 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela va créer 110 000 emplois à l'échelle de la province. De comparer notre bilan avec ceux du gouvernement, nous avons l'intention d'investir 5 fois de plus par habitant que le gouvernement fédéral. Ça serait difficile de trouver un gouvernement national qui est similaire au gouvernement de notre pays. Notre premier ministre a tout à fait raison. Il faut que le gouvernement fédéral investisse davantage des projets tels que Melee Drive, le Cirque du Feu, le transport en commun. On a besoin d'avoir le dévouement du gouvernement fédéral pour être concurrentiel dans l'économie mondiale. Une question. Député de Brentford-Nipissing. Je suis heureux de voir votre enthousiasme. Ma question s'adresse à la Première ministre. Dès le début de cette... Arrêtez le pendule. À l'ordre. Redimarron, député de Brentford-Nipissing. Ma question s'adresse à la Première ministre. Dès le début de ce scandale Sudbury, vous avez présenté des excuses pour le comportement des libéraux, de la réponse de ma circonscription et de partout dans la province. Je peux vous dire que les Ontariens disent qu'à cause de votre manque de volonté d'avouer vos erreurs et de ne pas punir les gens contre lesquels les accusations ont été portées,
Nous allons parler de la motion de la journée de l'opposition. Est-ce que vous allez assumer les responsabilités pour avoir défendu les libéraux qui font l'objet d'une enquête criminelle? Et si vous ne voulez pas les renvoyer, le public ne vous fait pas confiance. La vice-première ministre, je peux vous assurer que nous prenons très au sérieux cette question. La première ministre a dit à plusieurs reprises, elle a parlé du fait que n'importe quelle enquête doit se dérouler hors de la Chambre par des experts qualifiés. Parlant des accusations portées contre un conservateur, un membre du personnel conservateur, le député de Whitby-Oshawa, a dit « Je ne vais pas faire des commentaires parce que c'est devant les tribunaux. » Le chef des conservateurs est d'accord avec le député de Whitby-Oshawa. Il a dit « Arrêtez de se mêler dans une enquête qui est en cours, permettant l'enquête de se dérouler. » Donc, nous prenons la sagesse à cœur et nous n'allons pas la discuter en chambre. Complémentaire. C'était une réponse décevante à la première ministre. Durant votre intervention de leadership, vous avez dit « Le moment est arrivé de démontrer que nous avons retiré des enseignements de nos erreurs, qu'ils ne se reproduiront pas. » En débloquant cette motion, vous allez démontrer encore votre arrogance, l'arrogance que vous avez héritée de Dalton McGuinty. Vous mettez les besoins, vos propres besoins, au-delà des besoins des intérimaires. Est-ce que vous allez reconnaître le manque d'éthique et arrêter de s'agir d'un obstacle pour arriver à l'essence de ce scandale? Et est-ce que vous allez demander la démission de Sirborough et Lougheed? La vice-première ministre, je dois dire que ce que je trouve être très décevant, c'est que tous les deux partis de l'opposition ont, pendant quelques semaines, posé les mêmes questions à plusieurs reprises. Ils ont utilisé leurs questions pour faire de l'obstructionnisme. Nous avons des gens des coopératives de crédit qui ont des questions importantes. Ils aimeraient que ces questions soient posées. Ces questions qui portent sur leurs préoccupations. Nous avons eu plusieurs personnes, les centres de traitement des enfants, qui ont des questions. Vous avez posé les questions jour après jour. Nous avons donné les mêmes réponses à plusieurs reprises. Ce n'est pas la bonne chose de faire auprès de vos commettants. Nouvelle question, député de Windsor, tout comme ça. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Bonjour. Selon les preuves, la Première ministre a décidé de nommer son candidat choisi sur la même journée si elle dit qu'elle a décidé de choisir son candidat en novembre. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu jusqu'à la dernière heure de faire cette nomination, la vice-première ministre? Donc, comprenant le sens de la question, bonjour, le député veut savoir pourquoi le chef libéral n'a pas suivi les bonnes pratiques administratives. Je crois que c'est une question ridicule même, mais ce n'est pas une question qui porte sur la politique gouvernementale, sur les affaires du gouvernement. Ce n'est pas une question que veulent les commettants de Windsor. Complémentaire, Monsieur le Président, c'est pas ce que moi je pense pourquoi elle n'a pas suivi la Constitution libérale. Pourquoi elle n'a pas informé le Parti libéral après avoir pris la décision? C'est là-dedans. Le vice-premier ministre, il est très clair que le processus de nomination au sein du Parti néo-démocrate n'est pas le même qu'au sein du Parti libéral. Les députés
ont appuyé les règlements constitutionnels qui donnent à la chef la capacité de nommer des candidats. Les néo-démocrates accélèrent tout simplement leur candidat. La personne qui s'occupe du processus, Adam Gimbroni, ensuite va devenir candidat. Je n'aime pas votre processus, mais je ne vais pas vous poser des questions au sujet de votre constitution de parti. Nouvelle question, député de Newmarket, Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances, Monsieur le Président. À ma connaissance, aujourd'hui, c'est l'Agence de la défense des coopératives de crédit. Nous avons des coopératives de crédit qui nous visitent aujourd'hui, qui rencontrent des députés. J'ai eu le plaisir de rencontrer les membres des coopératives de crédit de Newmarket Aurora. Et ils me parlaient de ce qu'ils font dans ma circonscription. Ils nous parlent de ce qu'ils font dans toutes les circonscriptions. Il est dommage que l'opposition ne pose pas de questions au sujet du bon travail de ces coopératives de crédit et leur rôle important dans notre économie provinciale. Au ministre, que fait notre gouvernement pour appuyer ce secteur? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour une bonne question. Le député de Newmarket Aurora a parlé de l'importance de ces coopératives de crédit pour les collectivités et pour notre économie, et nous apprécions le travail de ce secteur. Et de la part des libéraux, nous reconnaissons que, afin que les coopératives puissent faire leur travail, il faut revoir leur comportement. Je suis content que leur Albanese fait un excellent travail en faisant des consultations avec les collectivités ontariennes par rapport à ce que nous devrions faire pour faire avancer l'Ontario, pour fournir des investissements, des incitatifs pour des entreprises afin de créer plus d'emplois. Et ça serait pas possible sans le partenariat des coopératives de crédit complémentaires. Merci. Je remercie le ministre des Finances pour sa réponse. Cette révision aidera aux travailleurs des coopératives de crédit de continuer de faire leur travail en faisant avancer l'économie ontarienne. Je sais que dans ma circonscription de Newmarket Aurora, nous accordons de la valeur aux coopératives de crédit. Je vois leur contribution jour après jour. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous donner des renseignements au sujet de cette révision qu'il a demandée? Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés. Il y a plus que 118 coopératives de crédit en Ontario qui desservent 1,6 million de dollars et qui engagent plus que 6 000 personnes et qui ont des actifs de plus que 40 millions de dollars. Ils veulent que le gouvernement fasse ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent réussir de revoir les filiales et des autres choses importantes, de permettre l'innovation et de faire en sorte qu'ils puissent faire plus de travail avec des autres secteurs de l'économie. Nous posons ces questions importantes et nous vous défendons. Veuillez vous asseoir. Rappel aux députés, les questions se posent au président. Et une fois silencieux, je vais le répéter. Ici, les questions se posent au président. Nouvelle question, député Tester Matandas, South Glengarry. Merci, Monsieur le Président, à la Première ministre. Vous n'avez pas informé l'association de cette circonscription de Sudbury au sujet de vos intentions de nommer un candidat et vos initiés. M. Barry de Pissobara a essayé de donner un pot de vin. Arrêtez le pendule. Ministre de l'Énergie à l'ordre. Et les autres. Veuillez terminer. Vos initiés, Pat Sobera et Jerry Lougheed, ont essayé de donner un pot de vin à votre ancien candidat avec une poste.
pas que votre candidat choisi aurait le poste. Vous avez violé votre propre constitution et c'était aussi une infraction selon le directeur général des élections. Après votre révision, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'accusation. Quand est-ce que vous avez offert le poste et quand est-ce que vous vous êtes posé la question quoi donner en contrepartie? Une autre fois, je conteste l'essence des propos du député d'en face. J'ai été très clair. Je vais collaborer avec les autorités. Je prends très au sérieux cette question. J'ai fait une déclaration et j'ai dit de manière claire que c'est une enquête qui doit se dérouler hors de la Chambre. J'ai dit aussi de manière très claire que lorsque j'ai rencontré M. Thibault, j'ai pris la décision qu'il sera le meilleur candidat à Sudbury. Et c'était tout à fait une bonne décision. Et les gens de Sudbury l'ont choisi. Votre bureau est sous quatre enquêtes de la PPO. À cette vitesse, ils auront leur propre stationnement réservé à Queen's Park. Vos propres candidats ne vous font pas confiance. Vos candidats ne vous font pas confiance pour dire la vérité et doivent se fier aux enregistrements pour connaître la vérité. Il ne devrait pas être nécessaire d'amener la police dans tout ça afin d'obtenir les réponses de la première ministre de l'Ontario. Quand avez-vous décidé que Glenn Thibault serait le candidat pour l'élection partielle de Sudbury? La première ministre, lorsque je dis que l'enquête se produit à l'extérieur de la Chambre, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des questions qui seront posées et répondues par les autorités, par les personnes qualifiées qui posent ces questions, et ils pourront tirer leurs propres conclusions. Je comprends la politique ici qui se déroule. Je comprends pourquoi les conservateurs posent ces questions encore et encore, parce qu'ils ne veulent pas parler de ce qui se produit dans leur course à la candidature, à la chefferie. Les néo-démocrates ne veulent pas... continuer de poser ces questions parce qu'ils ne veulent pas admettre le fait qu'ils ont perdu l'élection de Sudbury, Monsieur le Président. Je comprends les politiques, mais je ne vais pas être distraite par la réalité. Nous avons un travail à faire ici, Monsieur le Président. Nous devons travailler sur le budget, entre autres, pour qu'il soit prêt pour la population de l'Ontario. Et je laisse l'enquête être menée par la PPE. Nouvelle question. Député de Témiscamingue-Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Puisque la Première ministre est incapable de fournir des preuves pour appuyer ses versions des faits, mais comme étant se pose la question, est-ce qu'elle peut donner des preuves en ce qui concerne qui a donné à Patrick Barra et Jerry Laurier leur ordre d'offrir un emploi à Andrew Olivier? La Première ministre, je retourne à mon autre réponse, Monsieur le Président. Je vais répondre et je vais coopérer avec les autorités dans l'enquête qui est en cours et je comprends les politiques de ce que fait les néo-démocrates présentement. Ils ne veulent pas parler de leur propre processus. Ils ne veulent pas parler de la réalité du fait que nous avons un plan progressiste qui est utilisé par notre parti, qui met en place un plan pour Sudbury et toutes les parties de la province, Monsieur le Président, qui sont dans le meilleur intérêt de l'économie et de la population dans leur vie quotidienne. Ils ne veulent pas parler de cela, donc ils prennent le rôle de juge et jury alors qu'il y a le même travail qui est fait à l'extérieur de la Chambre. Il y a une enquête à l'extérieur de la Chambre. Je vais collaborer avec les autorités. Et entre-temps, Monsieur le Président, j'espère que les députés de l'autre côté reconnaissent que c'est la bonne chose à faire. Intervention du Président, s'il vous plaît. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre. J'imagine, il semble que l'ouverture et la transparence se soient changées en dévier. Les libéraux cèdent aider leurs amis. La Première ministre a reçu des demandes pour qu'elle remette des preuves de son histoire et ce, semaine après semaine.
Est-ce qu'il y a vraiment des preuves qui appuient la version des faits de la première ministre? La première ministre, au ministre de la Sécurité communautaire du service correctionnel. Monsieur le Président, la technique de l'opposition, c'est distraire. Ils veulent qu'on soit distrait de leur propre parcours. Ils ne peuvent même pas gagner une élection, Monsieur le Président. Leurs membres de parti ne s'accordent pas et donc ils parlent de n'importe quoi pour distraire de la politique parce qu'ils ne respectent plus leurs valeurs progressistes. Au gouvernement, nous travaillons sur des choses qui sont importantes pour les Ontariens, par exemple, d'appuyer les préposés à la personne, de s'assurer que la maternelle à temps plein soit disponible pour tous les enfants de 5 ans et plus à travers la province. Ce sont des questions qui sont importantes. Nous voulons nous assurer qu'il y ait un régime de retraite pour les travailleurs de l'Ontario qui travaillent de façon acharnée et qui n'ont pas de régime de retraite. Ce sont les questions sur lesquelles nous travaillons. Nouvelle question, député de Halton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Madame, Monsieur le Président, on travaille pour respecter les jeunes et leur donner les habiletés d'être indépendants et de vivre une vie saine et indépendante. Dans ma circonscription de Halton, Erin Hope Kids fait un excellent travail. C'est un centre de traitement pour les enfants le plus grand en Ontario. Ils ont environ 600 employés et 10 bureaux à travers la province. Ils aident 14 500 enfants ainsi que leurs familles. À Halton, ils ont près de 500 enfants qui ne sont plus sur les listes d'attente pour les tribunaux et pour les services de réadaptation. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut expliquer comment nous voulons aider les centres de traitement tels que celui-ci? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée Dalton pour avoir soulevé cette question très importante. Et Monsieur le Président, j'espérais vraiment obtenir plus de questions concernant les enfants à besoins spéciaux, puisque l'Association ontarienne des services de réadaptation pour enfants sont ici. Ils font un travail excellent. Et j'espérais avoir plus de questions de la part de l'opposition. Mais cela étant dit, je vais répondre à cette question. Il est important de reconnaître les investissements pour diminuer les temps d'attente dans les centres de réadaptation. Nous avons augmenté le financement à 100,4 millions de dollars d'ici 2014-2015. Pour 2014-2015, Monsieur le Président, nous avons écouté les recherchistes, les parents, et ce sont eux qui nous aident à développer des stratégies pour les Ontariens. Nous sommes très heureux que l'association soit ici et qu'on puisse les rencontrer aujourd'hui. Complémentaire. Merci. Ma prochaine question, encore une fois, est à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Madame la ministre, je suis heureuse de savoir ce que notre gouvernement fait afin d'améliorer le financement pour les centres de traitement pour enfants tels que Erin Hope Kids. C'est essentiel, entre autres, dans mes circonscriptions. Beaucoup de groupes ont mentionné leur appréciation de ces centres qui améliorent la vie des enfants à travers la province. Cet appui a beaucoup de valeur pour les familles et les enfants qui font face à beaucoup de difficultés dans leur vie. Qu'est-ce que l'on fait pour améliorer le financement auprès de ce centre? La ministre. Merci, Monsieur le Président, et encore une fois, merci à la députée pour sa question. L'an dernier, mon ministère a investi 5 millions de dollars de plus par année à chaque année afin d'aider les centres de traitement des enfants pour qu'ils puissent diminuer les listes d'attente et améliorer les services clés de réadaptation. Cette année, nous avons investi 1,2 million de dollars pour aider à diminuer les temps d'attente encore. Et ça signifie d'avoir accès à la physiothérapie ainsi que la thérapie de la langue. Nous avons donc été en mesure d'aider 2000 enfants de plus à travers la province. Nous avons augmenté le financement de 7 millions de dollars sur les deux prochaines années. Et le développement en langue pourra donc aider des milliers d'enfants à travers la province. Nous allons donc continuer à investir.
Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nouvelle question. Député de Leeds Grenville. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre, mais j'espère que vous allez me donner une marge de manœuvre, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est mon 5e anniversaire. J'ai été élu il y a 5 ans en tant que député. Et il y a 5 ans, le ministre de l'Énergie a été élu aussi pour la première fois. Je veux le féliciter. Et sur le prix que son ministre a reçu cette semaine, il a reçu le prix Teddy pour le plus de pertes et de gaspillage. Félicitations. Madame la Première ministre, nous avons une motion de jour de l'opposition. Nous avons posé ces questions en Chambre. Vous avez eu l'occasion de faire la bonne chose et de montrer un peu d'intégrité au sein de votre bureau. En demandant à Pat Sorbara et Jerry Lougheed de démissionner, allez-vous le faire, Madame la Première ministre? Veuillez vous joindre à moi, c'est le jour de l'opposition. Au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je suis très heureux que le député ait fait référence au compteur intelligent. Je serai très heureux de répondre à cette question. Nous avons l'un des meilleurs systèmes électriques à travers le pays. Nous avons la fine pointe de la technologie. Notre système fonctionne bien et ça nous permet de faire un excellent travail. Premièrement, les compteurs intelligents ont éliminé environ 2000 emplois. En n'ayant pas besoin d'envoyer les gens faire du porte-à-porte pour évaluer, pour examiner les compteurs, Monsieur le Président. C'est quelque chose que de l'autre côté, ils n'ont pas compris. Ça épargne donc de l'argent. Monsieur le Président, je mets au défi chaque membre du Parti conservateur. Intervention du Président complémentaire. Merci. De retour à la Première ministre, encore une fois, j'aimerais bien une réponse qui soit intelligente. Madame la Première ministre, vous et moi avons eu beaucoup de questions et d'échanges autour de la dernière semaine. Le directeur général des élections a étudié aussi la question. Nous avons une motion de jour de l'opposition aujourd'hui. C'est le moment de montrer de l'intégrité. Vous êtes celle qui avait dit ici en Chambre que vous feriez les choses de façon différemment de votre prédécesseur. Mais tout ce que l'on voit et que l'on entend en période des questions, jour après jour après jour, c'est la même rhétorique libérale qui a été utilisé beaucoup trop souvent. Donc, je vous demande de faire ce qui est juste et de ramener un peu de respect dans votre bureau et de demander à Pat Sorbara et Jerry Lougheed de démissionner. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, il a référé au compteur intelligent. Le coût des services ont diminué. Ça épargne de l'argent à travers la province. Ils ont redirigé l'électricité pour ajuster l'électricité. Ça améliore les factures et l'efficacité du système, Monsieur le Président, et ce, de différentes façons. Hydro-Toronto a confirmé que nous avons diminué la consommation de 6 %, que ça donne un excellent service aux consommateurs. Nous en sommes très fiers. C'est un excellent système d'électricité que nous avons, l'un des meilleurs au monde. Vice-première ministre, rappel au règlement. Madame, Monsieur le Président, je suis heureuse d'accueillir Aaron Jones ici, quelqu'un de London. Il vient de Liberal Financial et c'est un excellent citoyen de London. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.